Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il va être content, mon Robert. Un petit café. Complètement gâteouillard avec ça, il va être. Oh là là, lui, avec ses tournois d'échecs. Un café. Ah, Robert. Oui, il m'en faudrait un comme ça, tiens. Bon, dis donc, ça court pas les rues, hein. C'est une perle, mon bibi. Tu sais qu'il a écrit une thèse? Une quoi? Un livre. Oui, enfin, tu sais, moi, les livres, un Robert tout simple, ça me suffirait, hein. Oui, mais c'est vachement dur à dégoter. Et il faut sortir, ma vieille. Oui, mais dis donc, si c'est pour aller se faire pincer les fesses au bal le samedi soir pour trouver un mec, merci, hein. Tu l'as trouvé où, le tien? C'était la fête de Luma, dis donc. Je me rappelle, il y avait un concert de Genesis. Dès qu'on s'est vu, ça n'a pas traîné, je peux te dire. Le lendemain, il passait la grègue, le mec. Il avait une pêche, je te dis pas. Oh là là, quand je pense que ça fait 7 ans, dis donc. Stop. Mais oui, stop. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est détraqué, là. 7 ans. On dirait pas vous voir tous les deux. Vous devez avoir des biorhythmes extrêmement concordants. Ça, j'avoue qu'avec moi, il est pas privé, tu vois. Il est 19h. La température extérieure est de 18 degrés centigrades. Temps variable. Demain pour madame, rendez-vous 15h dentiste. 19h psychanalyste. Pour monsieur, 13h déjeuner. Oh, il a un charme. Doucement, Simone, il est à moi, hein. Il a l'air si doux avec ses yeux bleus. Bon, enfin, il n'y a pas les yeux bleus, les yeux verts. Oh, Charlotte. Charlotte. Oh. Je vous emprunte le pain. Mais je vous ai dit 100 fois de mettre du pain au son dans le croque-monsieur de monsieur, c'est insensé, ça. Mes pilules. Où sont mes pilules? J'en ai pris une ou deux tout à l'heure. Oh, je sais plus. La télé. C'est l'heure de la télé. Radio Les femmes et le travail. 65% des chômeurs sont des femmes. Demain, ne manquez pas Radio Femmes, une émission par les femmes, pour les femmes. Bon, c'est pas le tout, Simone, combien je vous dois? Ça doit être cher, ce truc. Heureusement, j'ai fait ça. J'avoue l'offre. Ah, bah non, écoutez, il n'y a pas de raison, vraiment. Mais ça, si, ça n'insistez pas. Mon mari est très bien placé chez les Japonais en ce moment. Bon, bah écoutez, alors j'accepte, mais vraiment, c'est super sympa. Hein. Vraiment, c'est sympa. Qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard? Ça doit être chouette, hein, quand même, d'avoir du blé. Remarque d'être pauvre, ça occupe. Non.